Yo ho ho 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 yo ho ho. Nous sommes la Darox, je suis la Variel, et vous êtes en compagnie de Roxy et Fardal. Nous allons vous amuser, et pour votre information, nous vous souhaitons une merveilleuse et bonne après-midi. Yo ho ho ho, yo ho ho, yo ho ho ho, yo ho ho ho, yo ho ho ho, yo ho ho ho. Yo ho ho ho, yo ho ho ho. Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes sur la Darox en compagnie de Roxy, bonjour. Et de la Barielle, ainsi bonjour, bonjour. Que de moi-même. Il rigole parce qu'il a pété le gros plan. C'est ta tête qui m'a fait plus rire. Ah. Et donc pour... Oh putain, il s'est guidé. Un peu juste... Pour la suite de vos épisodes... Mais il veut pas. Yves Blair pour faire une référence à Gossip Girl maintenant du coup. Que ma copine regarde. Moi aussi, enfin moi j'ai fini. Oui, ah d'accord. Quelqu'un peut augmenter le son de la télé. Bien évidemment. Merci beaucoup. Oh, je déteste cette télé. Bon, comment ça va, ça va. Qu'est-ce qu'il faut que je branche? Ah, okay. Tu dois aller où surtout? Ah, ça va, c'est les. Ouais. Là, il y a un truc. Ah oui, il y a une manivelle. Là, il y a un. Ouais, mais d'abord, fais la manivelle. Aïe. Ça va pas aller. Aïe. Ça va pas aller compliqué, mais bon. Je check les zones. Je vais laisser le reprendre. Là, il y a un deuxième bazar. Ok. Ok. Bah, commence par celui que tu te fais. Ouais, je te fais. Justement, moi, comme vu que la sortie est là. Mais en fait, je vais passer d'abord là pour voir ce qui se passe. Parce que ça tombe, ça m'ouvre la grille à chevet et c'est pour tourner. Bah, ça fait. Non, regarde, vas-y. Ah, il y a les grèches avec le. C'est des morbides. C'est des morbides. Ouais, des morbides. Ouais. Des soldats d'Adonis. Voilà. Enfin, logiquement, ouais, peut-être. Ouais, je m'en parle. Hein. On peut faire des ronds, mais ça fait beaucoup plus rapide de taper. En fait, j'ai essayé de les prendre, ça m'a énervé. Il y a une manivelle, ils ont servi à tirer. Bah, on les a pas utilisés. Je sais pas, il va regarder après. De toute façon, on sera certainement retourné. Pas dit. Pas dit. De la vie de. Non. Ouais. Non. Ouais. Hop là, voilà. Hein? Attends. Ouais, il a pas voulu. Que j'ai cru que ça allait être trop tard, que ça allait être. Ouais, ça monte. Ok. Tu t'es levé. Il va rien pour descendre. Hein. Non. J'ai peut-être raison. Moi j'aurais dit d'avoir activé les manivelles, mais bon. C'est trop tard. Hein. C'est con, ça compte, il y avait un super truc qui me rend pas. C'est pas mal, hein, ça. Crève. Donc je retourne en arrière. On sait plus. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que le tapis roulant va tellement vite que tu sais plus courir dessus. Si, hein, t'as moyen. Si, d'ailleurs, rien. Hein. Ça a l'air d'être chaud pour descendre. Non, mais je cherche une touche de rapidité pour descendre, chose qu'il n'y a pas. En fait, c'était juste ça. Bon, on va checker le. Il n'y avait pas un peu. Non, t'as déjà fait tout. Bon, par contre, il n'y avait pas. Petite question aussi, donc tu l'avais fait, mais tu ne l'aurais peut-être pas. Mais c'est bien qu'il y avait un passage. Oh, c'est beau, ça, c'est génial. Ouais, je voyais le mur qui était déglingué et qu'il y avait peut-être moins de sortie. Oh, il y a peut-être.
Oh ouais, oh ouais. Ah, mais ça c'est autre chose. C'est la plume. Ouais, ouais. Oh, c'est génial. Alors, une plume et un œil de gorgone en air. Oh, les sens, c'est super. C'est bien, parce que moi je l'aurais pas vu. Moi je l'aurais même pas. J'aurais même pas pensé. Je l'ai pas vu au début, ça au retour. J'aurais même pas pensé qu'il y avait un truc. Et donc, t'es même belle à quoi ça. Non, 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 mais j'attends parce qu'il voit qu'il y a un pattern. Tu vois. J'attends le prochain pattern. Allez, total. C'était maintenant en fait. Ouais, putain, je vais me faire voir. On peut 4 fois en fait. Il va s'agrandir et il va retaper un coup. Ça va être la même chose. Ah non, mais ça va. La façon t'es passée. Je me le suis pris. Non, c'est une blague. C'était la caméra m'a baisé. Tu vois qu'il y a moyen de retourner. En galérant, bon, de manivelle à cause. Elle ouvre la grille, je crois. Ah ouais, en fait, ouais, et c'est un autre chemin qui était. Je crois que c'est un bête truc en fait. Non, c'est pour le début, c'est bien. Parce que la suite de l'histoire avait l'air d'être de l'autre côté, non? T'es sûr? Ça compte, ils vont juste te dire, ils te font un truc et l'autre truc est de l'autre côté. Ouais. Hein. Bah, donc du coup, j'étais ici pour. Je suis revenu pour des coups. Bah, pour retrouver les coffres. Ah non, il y a un passage, on sait pas. Ah non, je crois qu'il allait te dire qu'il manquait un truc. Oh, la suite de l'histoire, elle est où? C'est hyper compliqué. Y a quoi si tu vas. Non, si tu vas à droite. Tu vas aller de l'autre côté d'avant. T'es sûr? Ouais, ouais. Ça allait être la suite, là, en fait. Merde! Bah, la mort. Ah vous êtes mort. C'était là que ça avait l'air d'être la suite. Oh putain. Bah, c'est là où t'étais il y a deux secondes. Ouais, mais je pensais que c'était remettre de l'autre côté. Si je suis pas retourné, je vous liquide tous les deux. On serait pas retourné. Pourquoi tu serais pas retourné? Au cas où. J'ai cru que ça aurait pu être refermé. Ah, ça aurait pu. Donc, nous partons bien là-bas, j'ai raison de partir là-bas. Mais... Je sais pas. Ouais, non, mais on se reprend les deux nouveaux trucs. Hein. La mort, tata. Clairement. Voilà, du checkpoint. Bon, là, tu as déjà pris. Ouais, tu as été voir. Attends, je vérifie qu'ils sont bien. Oui, oui, mais c'est sûr. Ouais. Qu'est-ce que t'en sais? Bah, je te dis. Ouais, comme étonné que j'étais mort. Que ça tombe, ça aurait pas compté. Bon, sûr. Logiquement, si dès qu'il y a un checkpoint, ça. C'est vrai que les caméras, elles sont dégueulasses. Voilà, pour aller vite, on peut sauter. Il y a des ennemis ici, de l'autre côté. Attends-toi. Ouais, mais attends-toi à avoir des ennemis ici. Ouais, ouais. Qu'est-ce que. Si tu fais rouge, ça ira pas plus vite. Mais si. Je sais pas choper parce qu'ils sont sous moi. Oui. Enfin, je pense pas. Oui, par contre, je suis chopé. Dégage. Oui, si, je suis chopé. Ah, il est là. Ah, beau. 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 Ah oui, dis. Oh, pire. Ah, voilà. Encore des ennemis. Et cela fait rond. Sur l'arpie. Oh. Ah putain, il a fait de faire tomber cette boîte. On peut faire descendre, prendre le coffre. Qui sert à rien. Ah, ta vie, elle clignote. C'est hyper bon. Putain, tu m'as stressé à mort.
Allez, dépêche-toi, il y a des amicales. Ah oui. Oh, il t'en a plus pour le faire du pays. Ça va être ça. Que la colère des dieux guide tes lames, Kratos. Ok, pourquoi elle parle d'autre? Parce que j'ai ma truc de Gorgon, de Spartiate qui est arrivé à fond. Ta vie. Mais oui. La vie. Ah ouais. Ouais, une manivelle, mais je vais redescendre après. C'est sûr que c'est pas là la suite, je sais pas, ça me perturbe. C'est pas remonté, de toute façon, c'est pas monté. C'est pas monté plus haut. C'est pas aller plus loin. On va descendre, ça perturbe le fait qu'il y a deux chemins quand même. À mon avis, j'arrive à la salle où j'étais. Ah, mais ça permet de descendre. Ok. Ok, on y va pas mal, non ? Oh, oui, t'as raison. C'est là où on était tantôt. Non. Si, c'est la même, c'est la même image. C'est la même image, mais tantôt c'était pas une image, c'était la statue. Oui, enfin c'est la même statue. Je non, il y avait pas. La statue était géante. Bon là, il y a pas. La statue. Et donc la suite de l'histoire, elle était. On a vu, c'est pas. Oh, bouffe le sang. Ok, là j'ai une graphique dégueulasse. Okay. Pas un truc dégueulasse, mais je viens de voir le sol bouger. Ah mais c'est possible qu'il y a des peuples de côté de temps en temps. Non, le sol a bougé. Genre pousser les dessins. Ouais, bouge. Tu vois? Non, t'as pas pris, bouge. Je casse. Voilà, j'ai un truc qui est en train de se péter. C'est encore un truc avec du temps. Attaque un autre, allez. Il reste plus que des moches. Ouais, il a liquidé ce pote, t'as vu? Sa pote. Oh, ouais, c'est ça en fait qui fait descendre le truc, regarde. Mais... Ouais, il y a le truc qui tourne là. Ouais. Trop tard. Je suis mouru. C'est dommage, t'en restais plus que deux. Je recommence d'où? De là, je crois. Espérons-le. Ouais, de là. Je le fais ou je le fais pas? Bah, on fait un peu. Je suis sûr, le vrai passage était de l'autre côté, là c'est un truc qu'il fallait ramasser. Mais là-bas il y a un truc. C'est juste dit, même c'est un truc à ramasser. Ouais, ou alors il faut deux trucs. Oh mais non, tu te souviens qu'il y a un passage au tout début qu'on s'est pas passé parce qu'il nous faut deux trucs. Quoi. Deux statuettes, mais celle-là c'est. Peut-être. La première statuette. Ah ouais. Peut-être. Les muses, tu vois. Ouais. On avait dû après tourner. Ouais, c'est ça. Oh, il y en a beaucoup. Ça, avec leur bouclier, ils sont durs à battre. Oh, ils m'ont poussé. Ah, là, ça aurait été bien qu'il meure, c'était le casse-couille avec son bouclier. Ah, merde. Il y a plus de. Il est où l'autre? Vas-y, s'arrêter. Ah ouais, c'est... Oui, la bon. Poignée. La poignée d'Atlas. Ok. Oh, la chance. Au poil de couille. Au poil de couille. Il a combien de temps de vie? 13 minutes. Bah donc ici, ça... C'était juste ça, donc juste ça va. Donc j'avais bien... Attends, est-ce que les statues, ça va les soulever comme t'as fait tantôt? Quelle statue? Les statues là-bas. Attends, je vais reprendre la magie. Enfin, les deux, toi, tu sais les soulever? Il n'y a pas l'air de prendre. Non, c'est ça que tu dis. Non, moi, ah, il y a des statues. C'est pas des statues. Ouais, ça reste des portes alors. Oui, il y a des portes statues. Ah, et maintenant il faut passer par l'autre côté. Ouais, bah c'est bien, on a fait la bonne partie en premier. Point de sauvegarde qui apparaît. Il était pas là, toi? Non. Non. Mais ça sert à rien de sauvegarder maintenant vu qu'on t'a 13 minutes de vie. Oui. Et t'as failli crever.
pas se retaper ça, quoi. Oh. Moi, je vais te casser. 1, 2, 3, 4. Bah, par contre, je sais pas si c'est 5, je crois. Sur rien, on verra bien. Non, lui, c'est plus une fois, et puis c'est lent, en fait. Je me suis mangé. En fait, c'était une fois, deux fois, une fois, deux fois. Donc... Est-ce qu'il a vu que j'ai vu tout mon bâté des couilles de craque de boue? Ah bah non, les gars, okay. C'est ça et il fait pire que tu. Ça va, t'as. Ça va, il l'a pas perdu parce qu'en fait il y a eu une sphère de vie qui est arrivée après. Ouais, c'est ça. Ça va en plus. Il y a eu du bol. Faut pas que j'oublie de reprendre mon fil après. De toute façon, je vais plus. Ouais, c'est les trucs que franchement, t'as. La classe! La première de la classe. Ah, ils étaient pas là tantôt aussi. Non. Alors, j'ai pas bien vu. Non, pas là. Oh putain. C'est quoi ça, mais non, à mon avis, ils sont pas arrivés parce que. T'as été chercher la poignée, ouais. Non, parce que j'ai été là quand. Ouais, tantôt, il y avait cette statue, les gens. Ouais. C'était, je crois, c'était pas vraiment une statue, c'était un. Pas plus de statue. Porte. Je suis coincé. On est à plus. Mais c'est parce qu'il est qu'au niveau 1, au niveau 2 ça fonctionne. Voilà. Y a-t-il d'autres ennemis? Non mais tu peux prendre les vases. Mais là-bas il y a un autre. Ouais, d'abord il va faire la manivelle. Qu'est-ce qu'il me demande? D'abord la manivelle. Est-ce que je fais R2 quand? Une porte massive en pierre avec une fissure au milieu. On ne voit ni serrer ni poignée, aucune sorte. Ok, bon, okay, j'ai compris. La poignée. Mais d'abord, va d'abord. Enfin, casse tout d'abord, c'est bon. Oui, parce que il y a peut-être des coffres, ouais. Il y a peut-être un passage et oh, il y a un coffre, ouais. La dernière. Tape dessus. Ah. Non, il y a un passage. Ah non, c'est pas un passage. Il y a quoi par là? Rien. Ok, un endroit qui sert à rien. Génial. Non! Ça fait c'est la suite, si je vais pas aller par là. Non, la suite, en gros, c'est par la porte. Il y a un truc brillant derrière. Ah bon? Ouais, ouais, ouais. Retourne en arrière, il y a un truc. Vraiment là, tu vois, tout près du. Mais non, c'est d'où on vient. C'est la porte non, où là, on vient. Là, ça, là. Mais oui! Ça? Ouais. Mais tu le savais, ça, vrai, quand même. J'ai vu utiliser la poignée. Non, d'abord, je vais faire le tour. Ok. Parce qu'à mon avis, la poignée, elle va faire descendre la boule pour qu'elle aille percuter dans. Et la statue, elle est flippante. Mais justement, en fait, quand tu regardes, on dirait que la statue va pousser. Mmh. Et donc, du coup, je pense que la manivelle active le gars qui pousse la boule. Ouais, ouais, bon. Ce qui fait que ça va exploser la porte en face. Et c'est un piège, on entend. Bah, non, ça va être un nouveau chemin. Ça, voilà. Oh, je l'ai coupé en deux. On a pas vu, mais je l'ai coupé en deux. Ouais, ça va, ils sont pas tirés. Au-dessus. Ah, ok. Il y a des poutres, donc je pense que tu peux aller. Quelle poutre? Okay, poutre. Ah non. Non, il n'y a pas de poutre. Attends, juste... Ah si, il y a un truc. Il y a... Bah d'abord il y a, tu il y a deux. Il y a deux. Bah d'abord tu laisses. Ah. Plus de vie. Oh oui. Ça c'est bien. Ouais, on arrive à la fin du jeu. Hein. Ah
Ouais, ouais, parce qu'il nous manque juste un, une fin dans les sorts que les gens nous donnent, là, les dieux. Il n'y a plus qu'un qui nous manque, tout le reste on a. Nous en avons. Bah si. Il faut juste ne pas être tombé dessus. Tu peux en avoir. Ah, c'est ça qui va activer la poule. Ok, j'ai compris. Ah non, parce que moi, pas du tout. Atlas, il est censé mettre. En gros, il va faire ça. Tu vois le dessin ? Il doit prendre sa boule et la mettre au-dessus de sa tête. T'as compris ? Oui. Là, c'est ce qu'il va faire maintenant. Mais s'il veut bien prendre cette putain de manivelle. Toi, t'auras plus qu'à le pousser avec la poutre, quoi. Voilà. Ça, tu l'auras pas sur toi. Mais vas-y, c'est chaud pour que je te fasse ça, quand même. Ah, pourquoi il l'a lâché, le coup. Mais ça compte, t'as du temps, hein. Ça va se remettre, tu vois. Mais non, s'il était pas à fond. Là, il est à fond. Atlas. Bon, toi, il est pas de temps. C'est bien ça. Ah, c'est parce que toi, ça tournait, alors. Ouais. Putain, il me fait. Allez. C'est à cause de la caméra, tu vois, comme, ouais, comme je suis allé d'un côté, ça, mais il allait dans... Et que quand la caméra changeait, il allait dans la réaction que mon truc pointait, mais... Ouais, le joystick, j'ai changé aussi. C'était ça? Voilà. C'est mal vu. Il est pas tombé. Et comme ça, tu te prends pas la boule en pleine gueule, comme disait la variable. C'est pas du tout un piège, tu vois. Cinématique. Alors vous dites quand même beaucoup pour une boule en pierre, hein. C'est à ça de la prendre à la gueule quand même. Ouais. Bon, ça ne dit rien. Ok. C'était beau. Et maintenant, Atlas est mort. Bah non, il est pas mort. Oh, c'est beau. Oh. Toujours regarder les côtés. Non, mais c'est là en fait le jeu où tu descends. Y'a rien. Tu te suicides là. Non, non, c'est pas là. Non, non, on a déjà vu l'endroit. C'était pas ici. Ici, on est toujours sur chrono, c'est un livre. Je sais. Je fais le tour avant. C'est quoi, ah, ça va être la c'est fin. Quoi, le cercueil, ça va être la fin de chrono, je crois ici. C'est pas un cercueil. C'est la boîte de Pandore. C'est la boîte de Pandore, on a dit. Comme tu viens de le dire. Mon plus jeune fils n'y rira plus. Il est mort en servant son père. Il est mort en servant les dieux. La construction de ce temple lui a coûté. Lui a coûté la vie. Parce que coûter la vie. Oh, j'aurais dû le lire moi-même. Tu as dit fais une voix de vieux pour lire, tu vois. Ah ouais, attends deux secondes. Puissiez-vous. Oula. Puissiez-vous être assez chanceux pour préserver la vôtre. T'exagères un peu. Oh mec, on aurait dit la voix du père Fourad. Pathos Verdes III, architecte en chef et loyal sujet des dieux. Mec, vraiment, qu'il a du mal, il a vraiment la voix du père Fourad. Et on dit. Sait rien faire, c'est une blague. Et là, il va avoir une cinématique. Ou alors, tu dois juste sauter dedans, comme un con. Voilà. Cinématique. Oh, il viole ce cadavre. Il viole. Suce-moi la bite. Il viole ce cadavre. Il viole. Suce. Il viole de cadavre. Il prend son crâne. Vous avez acquis la tête du fils de l'architecte. Ah, génial, quelle chance. Ouais. Ah, mais c'est la tête qui sert à ouvrir la grosse porte, à mon avis. Ah, mais ouais. Tu peux pas prendre ton. Ah, il se passe des choses. Oh, on peut passer par là. Oh, oh. Bah, oui, mais il veut pas nous faire nous retaper tout. Ça chope. On arrive dans un endroit sombre et triste. Oh, mais la vie. T'as besoin de vie et de pouvoir. Pouvoir. Plus de pouvoir. Hein, on arrive dans un endroit sombre et poussiéreux. Le fond de mes fesses. Je l'avais entendu une première fois, j'avais pas envie de réagir. Ouais. J'avais pas entendu, mais je m'en fiche. Bon, j'attends les nouveaux ennemis, moi. Parce que un gros passage comme ça, d'office, c'est un nouvel ennemi. Ouais, ou c'est un cyclope, ou une poule dans le genre. C'est vraiment poussiéreux et... Dégueulasse. De quoi il parle? Ah! Plein de mots! Ah! Ah, ah ben voilà! Il fallait que je le dise. Déjà là, en voyant ce qu'il dit.
Kratos sut immédiatement qui était responsable. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait le carnage qu'Arès et ses serviteurs laissaient derrière eux. Kratos avait déjà vécu cela, des années auparavant. Étant le plus jeune et le plus brave capitaine de l'armée spartiate, Kratos inspirait une grande loyauté à ses hommes. Et ceux-ci le suivaient dans tous les combats, jusqu'à ce jour maudit. Les barbares de l'Est arrivèrent par milliers. Ils s'abattirent sur les Spartiates. Sans la moindre pitié. La bataille dura plusieurs heures. Barbare pété. Les Spartiates aussi. La discipline et l'entraînement des Spartiates ne purent rien contre la déferlante des cruels barbares. Barbare. Les soldats se firent massacrer. Le Saint-Puissant de 300. Tandis que leur jeune capitaine assistait à la fin de sa carrière et de son existence. Mais pour remporter la victoire, Kratos aurait tout donné. Même son âme. Arès, anéantissez mes ennemis et ma vie sera vôtre. Cet appel à l'aide désespérée allait hanter Kratos jusqu'à la fin de ses jours. C'est pour ça qu'il est blanc. Non. Que suis-je devenu? Non, c'est l'aide d'Arès qui lui a donné. Et en gros, maintenant, il a, à cause de ça, il est devenu l'esclave d'Arès. Ah ouais, il a plus d'âme. Enfin. Non, non, c'est pas pour ça qu'il a peau blanche. Tu vas voir pourquoi il a peau blanche à la fin de. Du bazar. Je prends pas, ça sert à rien. Ouais, non, ouais. Mais donc, du coup, maintenant, il est obligé de faire ce qu'Arès lui dit, tu vois, vu qu'il. Bah ouais, mais le, ici, ton objectif, c'est de buter Arès. Ah ouais, t'es plus au début. Ah oui, oui, c'est tout début. Pourquoi il faut. Ah oui, avec cette histoire-là. Mais ça fonctionne toujours pas. Tu dois retourner de l'autre côté, tu dois encore faire tourner, je crois. Tu te rappelles que t'avais dû faire tourner. Tu te rappelles que t'as dû faire tourner ce truc-là, tu dois le refaire tourner. Ouais, mais non, parce que la tête, il est là. Pardon. Non, là. Ce serait dégueulasse. Oh, vas-y, je te coupe. Ça pourrait bien, ça pourrait bien, si ça peut faire les ennemis de tes gars. C'est pas un truc. Après, je retourne au point de sauvegarde et. C'est ça, plus. Bon, on a bien. Peut-être. Bah, on a. Ouais, on a plus beaucoup d'œil dans le gun à trouver. Mais je suppose que je suis sûr qu'on en a laissé derrière. Bah, ça va finir quand on a tué Arès. Je suis sûr qu'on a. Mais là, ouais, tu t'es retourné là-bas. Oui, mais j'ai dit j'allais au point de sauvegarde. Je suis sûr qu'on en a oublié quelques-uns. Ça, ouais, c'est sûr et certain, ça. On pourra des œufs de gorgone et des plumes. Surtout les plumes, parce que là, les œufs de gorgone, on est déjà presque à toute notre vie de jauge. Donc, surtout les plumes, on va laisser. Donc, on va vous laisser ici. On vous souhaite une bonne après-midi et un très bon amusement. Et la Varielle va vous dire un dernier petit message. Ouais, parce que j'ai pas. Je sais pas si j'ai parlé assez fort. Donc, on y a laissé quelques plumes aussi en faisant cette vidéo. Hein, on a laissé quelques plumes aussi en faisant cette vidéo. Elle était pas mal. Donc, dernière blague de la Varielle pour cette vidéo. Je vous allez, souhaite bye. Une bonne après-midi. Vous n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Et oui, avec mes enfants. Avec papy Vardachan. Et oui. Allez, bye tout le monde. Avec Père Froid. Salut tout le monde. À la prochaine. Bisous, bisous.